Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tenir la bande de Kombongo. Dans ce cas, il y a application sans doivent au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continué la bande de Kombongo. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ezali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanager Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Adhésion à l'AFC de Corneille Nanga, quelles sont les raisons principales? Et puis formation du gouvernement, quel profit, quelle mission, quel défi? Madame, messieurs, ce sont là deux grandes thématiques qui vont faire l'objet de cette émission, la grande tribune. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Et parmi nous ici, autour de ce plateau, des invités, non pas des moindres, des invités qui ne sont plus à présenter. D'abord, Henri Tshimbalanga, journaliste et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup à Esther d'être là et je salue Freddy et Maître Cédric. Je suis encore très heureux d'être là et surtout qu'il s'agit de thématiques aussi importantes que ça. Parce que le pays... Nous sommes à un moment où on doit vraiment se définir une fois pour toutes au regard de la situation générale et particulièrement dans l'est de la RDC. Donc, merci beaucoup pour m'avoir convié à ce partage. Merci beaucoup et Maître Cédric Bienguélé, vous êtes analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, Maître Cédric est cadre et communicateur de l'AFDC, du parti cher à l'honorable Modeste Batch Lukwebo. Je profite de l'occasion de présenter mes salutations à mes co-débatteurs, M. Freddy Mwamba, ainsi que M. Henri Tshimbala. Je suis très content également d'être dans cette grande tribune. Merci beaucoup. On aura également Freddy Mwamba, cadre AFDC. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, madame. Je commence d'abord par remercier notre Seigneur Jésus-Christ en disant comme David... qui disait dans Psaume 84, qui dit dans Psaume 84, 6, « Erré, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Vous comprenez, madame? C'est comme ça que, à partir du moment où je sais que, dès lors que notre vie n'était qu'à sa longanimité, c'est toujours important que nous puissions commencer par les remercier pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous au quotidien. J'espère que l'échange d'aujourd'hui sera un échange qui sera axiologique, c'est-à-dire basé sur les valeurs, axé essentiellement, fondamentalement sur, n'est-ce pas, le bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée. Voilà, donc c'est cela. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde, ainsi que tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre d'abord l'actualité. Plusieurs communicateurs du PPRD rejoignent la rébellion rwandaise du 1-23 RDF. Il s'agit notamment d'Henri Magi, Adon Tchaloué et de Yannick Tshisola. Dans une interview, Ferdinand Kambéré, secrétaire général adjoint du PPRD, a fait savoir que la formation politique de Joseph Kabila n'est pas du tout concernée par les ralliements de certains de ses cadres à la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo, des Corneille Nanga et du MLC. En réaction, les députés nationaux élus de Lukunga, Eliezer Tamboué, a appelé le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à prendre des mesures conservatoires telles que la suspension de l'existence légale du PPRD et la mise sous haute surveillance de ses cadres. Enfin, en mission de
camp des 48 heures, voilà, en Mauritanie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé hier en tête-à-tête avec son homologue Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont évoqué la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la coopération bilatérale multisectorielle entre leurs pays. Voilà tout, madame, messieurs. On va rapidement attaquer déjà la première thématique de cette émission, la grande tribune. Je commence par vous, Henri Tshimbalanga. Qu'est-ce qui motive finalement surtout les membres du PPRD de prendre les armes? Merci bien. Je pense que la question ne devrait pas être seulement axée sur les membres du PPRD parce qu'il s'agit d'eux en tant que tels. On doit plutôt, selon moi, voire les considérer en tant que des citoyens congolais, parce que plus loin, il y a eu un autre ancien cadre du MLC qui est parti. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Et surtout, il faudrait comprendre que on en parle ainsi sûrement parce que ce sont des gens qui ont été connus sur la place publique ici. Tout à fait. Mais dans les coulisses, il y en a beaucoup qui vont là-bas, mais comme... ils n'ont pas été de notoriété, ce sont des gens peut-être qu'on ne connaissait pas, mais ils sont très nombreux là-bas. Je pense que la question serait de chercher à savoir pourquoi les Congolais se comportent comme cela en ce temps ici. Moi, je pense d'abord, je condamne ce comportement-là, parce que le Congolais finalement fait preuve de l'ignorance totale de notre propre histoire. Si on ne se réfère pas à l'histoire de ce pays, eh bien, l'histoire va toujours se répéter en nous ramenant toujours les mêmes conséquences. Sous Lumumba, la Belgique vote pour la première fois ce qu'ils ont qualifié de budget, de fonds secrets. C'était avec objectif d'acheter les mécontents autour de Lumumba, avec objectif d'écraser Lumumba. Et c'est en ce moment-là que Lumumba... il dit que le plan de la balkanisation de la RDC les a mis en marche en 1960. Et aujourd'hui, nous discutons toujours, on se bat contre cette balkanisation. Est-ce que nous, les Congolais, comprenons-nous cela pour aller, on continue toujours à aller vers des mouvements qui ne sont pas les nôtres? Parce qu'il n'y a pas de raison à donner ou à faire valoir que moi je pars parce que je suis mécontent et je vois que Félix Tshisekedi m'a frustré, je dois aller me rallier à un mouvement qui est contre l'existentialité de la République. On peut qualifier ça de haute trahison? Mais si, c'est une haute trahison. Mais là où c'est un peu compliqué, comme je l'ai dit, les Congolais sont... Ils marchent sur l'hypocrisie. Même ceux qui sont dans la politique, ils sont beaucoup plus hypocrites. Il y a une vidéo qui devient aussi virale comme celle d'Henri Magie et les autres, où il y a des jeunes gens dans une brousse du côté de Lubumbashi qui menacent Kiabula. Il dit, ouais, toi Kiabula, il parle en Swahili. Voilà que tu nous encadrais au motif que nous devons déstabiliser Tshisekedi. Bon, maintenant, comme tu apprends qu'on a accepté de te retourner comme gouverneur, tu ne nous envoies plus à manger comme tu le faisais. Alors, nous te donnons 48 heures. Si tu... Est-ce que ce n'est pas un montage de la part de ces détracteurs? Mais écoutez, quand on a vu la vidéo d'Henri Magie, il y en a qui ont cherché à crier au montage. Mais ce n'est pas un montage, c'est une réalité maintenant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Le Congolais doit être, il doit abandonner l'hypocrisie. Quand on va en politique, on n'est pas nécessairement obligé d'être satisfait en obtenant des postes. Il y en a combien? C'est l'amour de la patrie qui fait défaut. Mais oui, non, mais oui, tout à fait, tout à fait. Quand on aime la patrie, on peut ne pas être nommé parce que bon, bientôt là, il y a un problème, on doit avoir un gouvernement. Mais si on doit chercher à satisfaire tout le monde, il nous faudrait un gouvernement de combien? De 200 ministres. Ça se fait où? Parce que donc, il y aurait même à craindre que ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce gouvernement. J'ai évoqué l'hypocrisie. Ils sont nombreux dans ce motif-là qui ne tiendrait pas debout. On ne va pas en politique ipso facto pour être nommé ministre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Même les pays les plus développés, la France, l'Allemagne, les États-Unis, ils ont un gouvernement de quelle taille?
Ce n'est pas plus de 20 ministres. Mais nous ici, pourquoi chaque fois on doit avoir toujours un gouvernement éléphantesque? C'est en craignant ce genre de situation. Moi, je pense qu'on doit opposer à ce type de comportement une ferme rigueur. Sinon, d'une part, eux, ils vont là-bas sans connaître en réalité ce que le mouvement-là est utilisé par le Rwanda et au-delà des Occidentaux. Parce qu'il faut, on doit se le dire. La RDC n'a convaincu, on a pas d'amis, il n'y a personne qui ne nous soutient. Tout le monde est contre nous, on fait semblant de nous dire de bonnes choses, mais sur terrain, c'est autre chose. On est en train d'équiper le Rwanda au motif que le Rwanda a la mission d'anéantir les terroristes qui sévissent au Mozambique. Mais quand on va donner au Rwanda des rafales, des avions de chasse, de marque française, au motif d'aller anéantir les terroristes au Mozambique. Vous pensez que le Rwanda ne va pas anéantir Kinshasa? Vous voyez? Donc, les Congolais doivent comprendre que vaut mieux que nous mourions pour notre patrie au lieu d'aller être comme des étiquettes dans ces mouvements-là, que ce soit Nanga et tous ces gens-là, les Henri Magie. Merci beaucoup, Henri Tshimbalanga. Je donne la parole à Maître Cédric. La même question, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les Congolais à prendre les armes contre leur propre pays? Bon, qu'est-ce qui motive les Congolais à prendre les armes pour leur pays? Moi, je dirais d'abord, vous devez dissocier les choses. Tous ces Congolais-là ne sont pas seulement du PPRD, parce que c'est que j'ai suivi même un député prendre les leaks et dire que non, on doit retirer l'acte générateur du PPRD, ça résonne trop fort, parce que sont les individus d'abord. Nous devons comprendre que les autorités des partis politiques ne gèrent pas la totalité des ambitions des adhérents. Quand il y a un citoyen qui se rebelle d'abord face à son parti politique, cela engage eux-mêmes. Ce n'est pas les comportements liés aux formations politiques de provenance. Par rapport à cette thématique, moi je pense que ces gens-là ne sont pas d'abord des rebelles au vrai sens du mot. Parce que se rebeller face à un État, il faut qu'il y ait un pouvoir instauré d'une dictature. Au stade actuel, nous avons des institutions qui ne souffrent pas de la légitimité. Parce que nous venons fraîchement... Parce que le chef de l'État a été issu, comment élu? Absolument. Le chef de l'État, les différents... Il y a eu des élections qui... Les différentes institutions, différentes institutions du pays, nous sommes en train de mettre, d'instaurer l'ordre dans les différentes institutions. Maintenant, au stade actuel, quand il y a un Congolais qui se dit rebelle, moi, je ne vois pas les fondements de sa démarche. Parce que il n'y a pas une dictature, parce que là, le mode par excellent de mettre à côté un pouvoir, c'est peut-être d'utiliser les voies qui sont démocratiques. Parce que faire recours aux voies téméraires, cela n'aide pas dans les contextes actuels, ne favorise même pas le vrai développement que nous prétendons. Parce que vous devez savoir, madame, que la vocation des États actuels, c'est de vouloir vivre ensemble, de mettre des mécanismes correct pour sauver même nos États. Mais lorsqu'il s'agit des Congolais, pour des raisons que les co-débatteurs de gauche a évoquées, des non-satisfactions, des intérêts égoïstes, les gens cherchent même à fragiliser le pays. Moi, je pense que cette dépense, nous avons intérêt de condamner. Parce que c'est une évidence. Pourquoi? Parce que si les gens pensent qu'adhérer à un parti politique, ce n'est pas du patriotisme qui nous anime, c'est plutôt du poste. Après l'installation du gouvernement, nous aurons beaucoup de décis. Parce que dans de différentes formations politiques, nous avons des hypocrites. Les gens qui pensent que être satisfait, c'est satisfaire à ton agenda. Mais par contre, il n'y a pas de frustration en interne qui favoriserait ce genre de comportement de la part de certains politiques aujourd'hui ici en République démocratique du Congo? Moi, j'estime que c'est être égoïste. Parce que si réellement ces gens-là estiment, réfléchissent sur les grandes questions économiques, sociales de notre pays, moi je ne pense pas qu'ils doivent faire recours à des méthodes qui sont déjà dépassées. Parce qu'au stade actuel, si vous avez des mécontentements, vous devez exprimer. Parce qu'il y a un rendez-vous que tous les Congolais, nous avons fait un contrat social avec les dirigeants. C'était au travers des urnes. Mais lorsqu'il s'agit d'un groupe de Congolais, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, moi, je pense que les gens comme de Henri Magie, il vient d'une grande formation politique. Si réellement, il voulait utiliser sa rhétorique face à une dictature, s'il lui estime que le pouvoir actuel a instauré une dictature, soit ne respecte pas les vocables de notre constitution,
c'était comment? C'était peut-être de s'exprimer aux voix des urnes, se présenter comme candidat, dire que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le système Tshisekedi. Voilà ce que moi, je propose. Mais au stade actuel, c'est répéler, c'est la haute trahison. Raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis d'accord que la République démocratique du Congo puisse continuer avec la démarche des restaurations de la peine de mort. Parce que ça sera sous forme d'une intimidation, ça va intimider les autres. La levée plutôt du moratoire sur la peine de mort, mais on voit toujours des policiers qui continuent à être en intelligence avec l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire que plutôt la levée de ce moratoire n'a pas finalement dissuadé? Non, si aujourd'hui on arrive à exécuter, je vous rassure que madame, ça comme étant une peine qui a aussi... un caractère intimidatrice, ça va aussi intimider les autres de ne plus commettre ces genres d'actes. Parce que vous devez se rendre compte que si nous mettons une justice qui arrive à sanctionner de pareils comportements, une justice qui arrive par exemple de pareilles personnes, s'il faudra même saisir ses biens, ça va juste intimider les autres de ne plus commettre ces genres d'actes. Mais si par exemple nous prenons, nous considérons et puis nous analysons avec beaucoup de légèreté, dit que non, il y a des Congolais qui se sont rebellés face à l'État parce que le traitement n'est pas juste ou égal. Moi, je pense que cette attitude, c'est aussi favoriser les autres à commettre ce genre de comportement. Parce que cette attitude, ça paraît belliqueuse. Parce que le fait pour un Congolais qui est patriote, qui n'est pas content avec ce qui se passe dans notre pays, prendre des armes, tuer ses propres Congolais. Aujourd'hui, vous devez savoir ce que nous perdons dans la partie est de notre pays en termes de morts. Ça dépasse même le chiffre que nous crions pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Hormis ça, il y a des milliers de vies. Il y a des déplacés. Sans nom, hormis les déplacés. Sur le plan économique, la République démocratique du Congo perd du jour le jour. Parce que nous sommes d'abord une économie fragile, une économie malade. Nous cherchons à rétablir cette économie. Mais si, par exemple, il y a aussi des gens qui se complotent, au lieu que les pays puissent décoller, cherchons des mécanismes où nous devons restaurer notre économie. Mais il y a aussi des Congolais qui se comportent de la manière, ça ne favorise pas le développement. Raison pour laquelle ce sont là des comportements qui, étant que des patriotes, étant que des Congolais, nous devons toujours demander à nos frères, à certaines personnes que les gens qualifient des hypocrites, qui sont encore membres de certaines formations, partis politiques, ils doivent être clairs de cesser ce genre de comportements. Ce ne sont pas des comportements qui favorisent les vrais développements que nous prenons. Si réellement que nous travaillons pour le peuple commun, pour le bien-être de cette population, moi je pense qu'il est temps de quitter ce genre de troubles armés, c'est d'être... Parce que la connivence là que nous avions décriée pendant beaucoup de temps, aujourd'hui nous enregistrons des signaux. Parce que s'il y a des gens de grandes personnalités qu'on avait écrit qu'ils défendaient réellement la République, et puis nous voyons citer dans des pareils groupes, ça résonne trop fort. Raison pour laquelle, moi personnellement, je suis contre cette attitude. Et puis nous demandons au gouvernement d'accélérer la justice. Il faut que l'État puisse mettre des mécanismes pour nuire de certaines personnes. Merci beaucoup, Maître Cédric. Je donne donc la parole à Maître Freddy Mwamba. Qu'est-ce qui motive finalement les Congolais à prendre les armes contre leur propre pays? Bon, madame, avant d'étayer dans les vifs ou dans les droits au but, j'aimerais d'abord soulever une problématique qui me tient à cœur. C'est celle en rapport avec la fourniture en électricité à travers la République. Madame, si dans les quartiers Diallo, qui est juste à côté du stade des Martyrs, dans la commune de Kinshasa, il n'y a pas d'électricité, a fortiori, les compatriotes qui sont, n'est-ce pas, disséminés à travers... la République. Je ne sais pas si vous constatez aussi que depuis un temps, il y a vraiment des coupures intempestives d'électricité. Non seulement il y a des coupures intempestives, il faut dire clairement qu'il n'y a pas d'électricité. On n'envoie pas le courant, nous ne savons pas pourquoi. Et il n'y a même aucune communication qui est faite pour dire aux abonnés pourquoi on n'envoie pas le courant. Un manque de respect. Moi, je considère cela comme étant un manque de respect envers tous les abonnés de la Société nationale d'électricité. Non, il ne s'agit pas simplement d'un message que j'adresse aux responsables de la SNEL, mais je pense que, madame, vous partagez la même opinion que moi. Je ne sais pas si vous vivez dans quelle ville, si vous êtes dans la même ville que moi. On coupe l'électricité à temps et à contre-temps. Et je pense que les responsables de la SNEL ne rendent pas un bon service, n'est-ce pas, à la nation, un bon service au président de la République également. Donc moi je pense qu'ils doivent
tout de même se remettre en cause et voir dans quelle mesure, s'ils estiment qu'ils n'ont pas le moyen qu'il faut pour arriver véritablement à rencontrer les aspirations de leurs abonnés, qu'ils démissionnent tout simplement. Au lieu de continuer, s'ils estiment qu'ils ne sont pas à même de pouvoir mener à bien la mission pour laquelle ils sont là. Hein, madame? Et donc, c'est ce que je voulais. Je crois que ça vaut autant aussi pour la régie des eaux. La régie des eaux, ça va un peu, mais sinon, c'est compliqué, madame. Mais il y a aussi des cas où des problèmes de l'eau se posent également. Oui, de l'eau, ici à Kinshasa, d'ailleurs, c'est dans plusieurs, je dirais, dans plusieurs communes ici, par exemple, au niveau de l'Ancelé là-bas, c'est des forages. C'est de l'eau des forages. Donc, il n'y a pas de l'eau là-bas aussi. Et bon, je crois qu'ils seront interpellés par tout ce que nous disons ici et qu'ils vont pouvoir prendre à bras le corps cette situation de telle sorte que tous les Congolais se reconnaissent d'abord quand même au travers de leur ceux qui sont appelés à faire comme travail. Merci beaucoup. Allez à la thématique, s'il vous plaît. Voilà. S'il faut que j'aille à la thématique, ce que je dirais, c'est que, madame, il s'agit d'une démarche bancale. L'unique voie royale d'accession au pouvoir que nous connaissons tous, ce sont des élections, madame. Leur approche est dénuée de tout sens. Quel que soit le problème, on ne peut pas aller donner libre cours aux ennemis qui font du mal à notre pays. Nous disons chaque fois ici que nous avons des déplacés à travers le pays. Des mamans, des femmes qui ne sont plus à même de nourrir leur foyer. Qui ne savent plus aller cultiver et qui sont en train d'errer ça ici et là à Goma, qui ont quitté leur milieu naturel où ils ont l'habitude d'exercer leurs activités quotidiennes, qui souffrent sérieusement, qui sont dans des cas manifestement abandonnés à leur triste sort. Mais vous, aujourd'hui, vous venez me dire, madame, que à cause, je ne sais pas moi, si c'est de la voracité du pouvoir, que vous êtes frustré, vous allez vous allier. Et la difficulté, c'est que parfois, les compatriotes sont amnésiques. Nanga avait dit extrêmement clairement qu'il est contre le président de la République parce qu'on lui a ravi des Karenini. Il a été clair. C'était ça sa motivation. Donc ça veut dire que cette cause-là n'est pas une cause juste. C'est pour des intérêts narcissiques, pour des intérêts égoïstes qu'il est là-bas. C'est clair. Quelqu'un qui sacrifie sur l'autel de ses intérêts mesquins la vie de plusieurs compatriotes congolais, est-ce que c'est une personne qu'il faut soutenir? Vous connaissez vous-même les difficultés que nous avons avec nos voisins qui veulent mettre les grappins sur nos minerais. Ça, c'est connu de tous. Et tous ces jeunes qui sont là-bas, que ça soit Adam Tchalui, que ça soit, Henri Magie, ou l'autre ami qui a l'habitude de boiter là, il s'appelle encore comment? Maître... Tshisola, Yannick Tshisola, quelque chose. Mais quand même, ils ont bénéficié beaucoup de ces pays. C'est des jeunes qui étaient gâtés au niveau du PPRD. Donc, que ça ne s'arrête pas. S'il faut qu'on commence à faire entrer des cartons d'argent, mais madame, il fallait voir des sacs d'argent qui entraient au siège là-bas, au siège de la jeunesse du PPRD dans la commune de la Gombe, ici, non loin de la place des évolués. Donc, c'est cette vie-là, il fallait qu'ils continuent à mener cette vie-là au détriment des restes des Congolais qui continuent à croupir dans une misérabilité inouïe, madame. Nous devons quand même avoir un cœur. Je vais avancer, je vais d'abord évoquer l'exemple de notre jeune, le contemporain qui a pris actuellement le pouvoir au Sénégal. Lorsque vous regardez la déclaration de biens de ces jeunes-là, vous allez comprendre que c'était tout à fait normal qu'ils puissent avoir les biens qu'ils avaient. C'est-à-dire un agent simple, un inspecteur d'impôts,
Hein, vous comprenez? Avec des avoirs comme ça, c'était tout à fait normal. Est-ce que nous ne pouvons pas suivre cet exemple ici dans notre pays? Et avoir le sens du sacrifice. Est-ce qu'un acteur politique congolais est aujourd'hui prêt à pouvoir sacrifier, par exemple, toute sa notoriété qu'il a au profit d'un jeune, par exemple? C'est un exemple qu'il faut suivre. Bien qu'on l'a empêché, on a empêché Ousmane Sonko à devenir président, mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait pour lui de s'effacer, d'accepter. Parce que ici, chez nous, tu vois, qu'est-ce que quelqu'un va dire? Il est même capable de dire que non, vous savez, il faut qu'il y ait des élections anticipées, hein, parce qu'on t'a élu grâce à moi. Il ne s'agit pas de ta propre notoriété. On t'a élu grâce à moi, bon, il faut que tu me cèdes la place. Il va même mettre, il va faire des pieds et des mains pour être seulement à cette place-là. Il ne peut pas céder à une autre personne. L'essence d'humilité. Dans ces pays, on n'est pas humble. On estime que quand on commence à bouffer, on pense qu'il n'y a que vous qui pouvez bouffer. La déphagie du pouvoir, madame. Les autres n'ont pas droit à bouffer. Il n'y a que nous, nous sommes des jeunes, nous étions là, nous connaissons la politique, nous avons la maîtrise de la politique du pays, les restes là sont des ignares. Eh bien, s'il s'agit même de prendre les armes, nous allons prendre les armes. Madame, c'est trop grave, donc il s'agit d'une démarche qui est dénuée d'essence. Il n'y a aucune raison qui peut pousser quelqu'un à aller tuer ses compatriotes pour prendre les armes. Ça ne sert à rien de les faire. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin parce que notre pays souffre beaucoup. La population pâtit beaucoup de cela. Et moi, je pense que tout celui qui a un sens de la jugeote ne peut pas agir de cette façon-là. J'en appelle à un sursaut de lucidité. Et je décourage tous ceux-là qui ont, bien entendu, tendance à vouloir aller s'allier à tous ces amis-là qui sont allés de l'autre côté. C'est vraiment dommage, madame. Et donc, aimons notre pays. C'est quand même important que nous puissions aimer notre pays. Merci voilà. beaucoup, Henri. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PPRD soutient cette rébellion des Corneille Nangaa? Je pense que pas tellement, pas du tout, parce que ce sont des Congolais qui vont... vous savez, l'histoire de notre pays, c'est très compliqué. Puisque là, vous avez même parlé du député national Eliezer Tambwe qui fait une sortie médiatique comme quoi. Mais est-ce que Eliezer Tambwe... Lui demande la dissolution du PPRD. Et ok, il demande j'en arrive. Oui. Est-ce que a-t-il déjà eu à en demander autant concernant son patron Roger Lumbala? Parce que n'oublions pas, c'est Roger Lumbala qui nous amène à la notoriété publique Eliezer Tambwe. Quand Roger Lumbala revenant de la rébellion, il est ministre au nom du 1 plus 4 dans ce gouvernement-là. Il crée sa chaîne de télévision RLTV avec l'émission 7 qui était présentée d'abord par Babi Baloukouna. Et quand Babi a eu je ne sais pas quel problème, il quitte cette émission-là. C'est alors qu'Eliezer Tambwe prend maintenant la présentation de cette émission-là. Et puis son patron-là, plus tard, il a été encore dans la délégation du M23, mais Eliezer Tambwe n'a jamais pipé mot contre son patron, Roger Lumbala, qui est un rebelle et qui s'est affirmé encore dans la délégation du M23. Vous comprenez? Tout cela, moi, je trouve ça comme de l'hypocrisie, voulant peut-être faire plaisir ou cherchant de confiance au président de la République. Ce n'est pas ce qui importe. Les individus, sinon, on va parler du PPRD, mais qu'il dit, qu'il demande aussi qu'on dissoude aussi ou qu'on suspende aussi le MLC. Est-ce que Jean-Jacques Mamba, c'est Jean-Pierre qui l'a envoyé là-bas? Et puis demande que tous les membres du PPRD soient mis sous surveillance. Non, ça, mais écoutez, c'est comme ça qu'on crée des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité des situations. Vous savez, quand même lors des événements de Chérubin Okende, suivez même le témoignage d'Eliezer. Il explique comment il fréquentait le feu Okende pendant qu'il était ministre, dans leur relation des membres de ensemble. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Ce sont des déclarations qui... Bon, vous savez, chacun a toujours ses objectifs. Si c'est lié à la patrie, c'est une bonne chose. Mais quand vous faites des choses pour des intérêts personnels, Freddy a évoqué ici pourquoi Nanga est allé là-bas. Tout le monde le sait. Il avait des problèmes. Il revendiquait son carré minier qui, selon lui, c'est l'un des frères Tshisekedi qui lui a ravi ce carré minier-là. Est-ce que pouvait-il pas aller voir le président de la République ou au-delà, si, comme lui, tenait à dire, accuser l'un
de Tshisekedi, d'aller voir même leur maman en parler, mais pourquoi on me ravit ce carré minier, ainsi de suite, et voir comment épuiser tout cela, ou au besoin se dire que bon, au fait, je ne peux pas sacrifier le pays pour des intérêts personnels, ok, Tshisekedi passera, c'est dans quelques années, son mandat termine, eh bien, je vais saisir la justice en ce moment-là, il ne sera plus au pouvoir. Parce que vous savez, tout ce que les gens posent comme acte aujourd'hui, demain ou après-demain, ça peut vous rattraper. Donc, c'est une... Moi, je ne trouve pas que c'est l'idéal. Tout de... Mais est-ce que les PPRD seraient derrière cette rébellion des Nangas? Bon, ce n'est pas du tout à exclure, mais d'emblée, on ne peut pas tout de suite dire qu'il en est ainsi. On a dernièrement, toujours à partir des supputations comme ça, on s'est retrouvé d'un bon matin, on se réveille, on voit des perquisitions à la Fondation Musée Laurent et jusqu'aux établissements légaux. Mais on n'a pas trouvé ce qu'on pensait aller trouver là-bas. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'à un certain moment, on doit éviter certaines orientations qui soient farfelues ou qui soient peut-être pour des besoins personnels, se chercher à se mettre en valeur. Mais il faut beaucoup plus aller en profondeur. Le mal est très profond. Est-ce que nous, les Congolais, avons-nous conscience du danger qui nous entoure? Le tout est fait au bénéfice du Rwanda. Lui-même, tu sais qu'il l'a dit plusieurs fois. Que ces gens-là vous disent autre chose, mais sur le terrain, ils font autre chose. Quelle est cette mission-là? On a commencé avec l'EAC, qui est venu. Le président avait annoncé depuis les États-Unis qu'ils viennent par Bounagana en attaquant le M23. Mais sur le terrain, c'était plus ça. Les FARDC n'accédaient pas dans les territoires occupés, mais les M23 étaient tout le temps en bonne relation avec l'EAC, jusqu'à ce que maintenant le président s'en détourne pour aller au SADC. Et il y a toujours des sérieux problèmes autour de tout cela. Moi, je pense que le problème, ça ne doit pas nous amener à commencer à regarder le PPRD. Pendant que ce sera encore une distraction au risque d'être surpris par ce qui se passe là-bas. Parce que Ferdinand Kambere, lui, il a dit que les PPRD n'est impliqué ni de près ni de loin à ce que les autres ont fait. Oui, mais écoutez, on a par exemple la FDC qui a subi un grand coup, tout le monde le sait. Et avant cela, il y avait un audio qui était donné à André Mbata. Que voilà, je dois combattre la liste AFDC, ainsi de suite. Et par la suite, on a vécu ces histoires-là. Dans les faits, Modeste Bahati pouvait être ou serait l'un des grands frustrés. Parmi les frustrés. Oui. Et, mais pourquoi ces gens-là, ou peut-être si aujourd'hui il y a un membre de l'AFDC qui s'en va dans la rébellion de Chenanga, en quoi ça va concerner son président ou le parti? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, les Congolais, nous sommes finalement, nos politiques sont très mal habitués. Comme on a vu que ceux qui ont pris les armes se sont retrouvés ministres, DG, il y a eu un partage. Et c'est devenu maintenant comme une habitude. On sait que quand on y va, on va se retrouver devant des négociations parce qu'ils y vont à quel moment? J'ai vu encore une vidéo d'un certain, pas un certain, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, maître Jean-Pierre Dikoma, qui est un haut cadre de l'UDPS. Mais il a présenté une situation, il était vraiment chagriné de dire que tout ce qui se passe à Luanda ou partout ailleurs, c'est contre la RDC. Il demande aux Congolais de se lever. Où ils ont évoqué plusieurs points, notamment une dizaine. Où on va plus loin jusqu'à imposer à la RDC de terminer l'histoire de la présence des FDLR sur le territoire congolais. Mais attention, c'est là un très grand piège. Les mêmes Occidentaux vont fournir des armes aux FDLR pour qu'ils soient plus puissants que les FARDC, lesquels nous, on ne sera jamais capable de maîtriser. Et cette guerre va justifier la présence de Kagame sur notre territoire au motif qu'il y a les FDLR là-bas en RDC. Est-ce que le Congolais comprend ça? Parce que nous pensons aussi, on a inversé un peu les choses. Partout dans le monde entier, pour être riche, il faut être commerçant, il faut être dans le monde des affaires. Mais au Congo, pour être riche, il faut être en politique. C'est ainsi que maintenant, les gens, dans leur inconscience, ils sont contre la République, sans savoir que je suis contre la République, mais ils vont là-bas pour attendre le moment opportun. Dès qu'il y aura des négociations, on viendra dans la délégation. Parce que dans les points qu'ils ont évoqués, je parle de maître Jean-Pierre Dikoma, il dit,
On impose même qu'il y ait, la communauté internationale considère, ici les États-Unis, la Grande-Bretagne, toute l'Union européenne, considère que la FDC de Corneille Nanga a déjà occupé suffisamment un espace considérable. L'AFC. Voilà, l'AFC. Pas la FDC. Voilà, l'AFC. J'ai cité la FDC. L'AFC. L'AFC, c'est vous qui n'avez pas bien saisi. Que le gouvernement doit dialoguer avec et ils doivent intégrer les institutions. Vous comprenez? Voilà, on va y arriver. Vous avez épuisé votre temps de parole. Je donne donc la parole à Maître Cédric. L'infraction étant individuelle, pourquoi on doit lier cet activisme à son parti et voire même à Joseph Kabila lui-même? Raison pour laquelle dans mon introduction, je vous ai dit que pour une vision globale, au stade actuel, il est temps de recréer notre système défensif et puis nos services de sécurité, à la place de proposer la dissolution du PPRD comme formation politique. Moi, je pense que c'est un argument trop faible. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas lier les comportements des adhérents des partis politiques aux lignes de conduite des formations politiques. Parce que quand les gens adhèrent les partis politiques, ils viennent librement. Ils peuvent aussi se comploter par défaut de satisfaction d'un besoin quelconque. Ils peuvent prendre une option. Les autres sont des esprits faibles. Ils peuvent aussi comploter avec un troupe juste pour déstabiliser le pays. Là, ça n'engage pas un parti politique. Moi, je pense que si cette attitude, ça va encore effrayer des gens de plus, ça va encore susciter beaucoup de questions où nous ne serons pas en mesure de régler. Parce que M. Freddy a essayé de dire s'il faudra maintenant lier les comportements de notre frère honorable qu'il a, Jean-Jacques Mamba, au MSC. Nous allons dire aussi de dissoudre le MSC. Après demain, parce que lui aussi faisait partie d'une équipe du MSC. Donc, pour dire que si nous allons aussi prendre l'attitude de Henri associé au PPRD, nous allons dissoudre beaucoup de partis. Est-ce que Joseph Kabila ne fait pas peur? Bon, faire peur ou pas, moi je pense que Kabila est déjà dépassé. Il a épuisé ses mandats constitutionnels. Au stade actuel, comme un État, nous devons se comporter comme des majeurs, c'est-à-dire prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que si nous avions des services de qualité, on devrait déjà se renseigner et s'informer de la situation. Ça prouve à suffisance que nos services aussi, qui est censé de nous donner des résultats corrects, ne fonctionnent pas correctement. Parce que vous devez se rendre compte comment un individu est en connivence avec un groupe qui terrorise l'État. Pendant beaucoup de temps, l'État est dans l'impuissance d'identifier ce genre de personnes. Ce sont les grandes questions que nous devons réfléchir pour un État après le 21e siècle. Parce que quand nous réfléchissons autour des partis politiques, tel s'est comporté de la manière, moi je pense que ça c'est ralentir des choses. Au stade actuel, il est question de faire un diagnostic sérieux, en fait d'apporter aussi des correctifs nécessaires pour remédier cette situation. Étant donné que nous allons se focaliser autour des formations politiques, tel est alimenté par X personnes, là ce n'est pas régler la situation. C'est plutôt d'aggraver encore de plus. J'invite nos services de sécurité. Il est grand temps de bien faire leur travail. Il est grand temps d'identifier correctement ceux qui sont derrière ces atrocités, ceux qui sont derrière ces ceux qui sont en intelligence avec ces personnes, avec des gens qui complotent contre la survie de l'État. Parce que ce sont de grandes questions qu'on ne doit pas rester muets. On doit toujours réfléchir comment l'État congolais doit se comporter pendant cette période. Il est grand temps parce que si vous avez suivi les déclarations de Corneille Nangaa, il avait cité beaucoup de gens qui sont encore ici au Congo. La journée, ils condamnent les actes, mais la nuit, ils sont toujours en connivence avec tous ces gens qui soutiennent le 1-23. Maintenant, des pareilles déclarations, mais nous prenons toujours à la légèreté. Que font nos services de sécurité pour identifier tous ces genres d'actes? Ce sont là des grandes questions que nous devons juste réfléchir. Quand lui, il avait dit que derrière lui, il y a des partis politiques qui œuvrent en République démocratique du Congo, il a cité même un groupe de partis politiques qui n'a pas énuméré les noms et les autorités des partis politiques. Mais ce sont là des grandes questions que l'État congolais doit s'en servir pour fonder un jugement. Mais si, par exemple, nous allons toujours se focaliser des X personnes, Kabila, il a dépassé son temps, il a fait ses deux mandats constitutionnels, aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. C'est question maintenant pour un État d'organiser nos services de sécurité, d'organiser notre armée, de bien mettre nos lois, parce que tous ces gens-là, s'il y a des condamnations sérieuses
Moi, je pense que ces genres d'attitudes ne vont plus se répéter. Étant donné que nous crions toujours la justice est malade, nous crions que nos services ne fonctionnent pas correctement, quels sont les remèdes nécessaires? Quelles sont les réformes nécessaires que nous mettons en place pour sauver cette image? Au lieu de demeurer dans des farfelis, au lieu, par exemple, de rester dans des discours tel a posé, tel as, au lieu, par exemple, de se focaliser des histoires de fragiliser certaines formations politiques. Là, c'est déjà dépassé. Il est grand temps de réfléchir pour sauver nos sécurités, même la survie de notre État. Parce que vous devez savoir que la République démocratique du Congo, je vous ai dit, nous perdons en termes de vies humaines, en sur le plan économique, ce que nous enregistrons aujourd'hui dans la partie est de notre pays. S'il faudra focaliser pour l'économie du pays, vous savez comment ça pourrait dégénérer? Moi, je pense que l'État congolais doit se comporter avec beaucoup de responsabilités. Il est grand temps de revoir, de mettre en place des réformes qui vont juste sauver ce genre de situation, au lieu à la place de discuter inutilement. Merci beaucoup, Maître Freddy. On a vu dans le passé ces Sanga, Mende, Rouberoy, Tambo Mwamba recourir à la rébellion et par la suite, on les a vus se retrouver dans les affaires. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que l'histoire se répète avec Corneille Nanga et ceux qui l'ont rejoint au sein de l'AFC? Madame, c'est un mauvais vécu. Hein. Ça, ce n'est pas un bon exemple qu'il faut pouvoir suivre. S'il y a eu des dévanciers qui ont eu à se comporter de cette façon-là, moi, je pense que la nouvelle génération doit se démarquer de cela, faire un effort pour que là où, n'est-ce pas, les aînés avaient commis des erreurs, que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons, si vous voulez, pallier les erreurs-là, remédier à ces erreurs-là. Et ce n'est pas quelque chose que je peux, encourager, parce que la solution, et ce qu'ils ont posé comme acte, commence à avoir des effets négatifs sur notre pays aujourd'hui. Si nous avons un problème avec notre armée, qui jusqu'à aujourd'hui continue à être un grand chantier, c'est à cause de ces aînés-là qui ont pratiquement accepté, facilité à ce qu'il y ait des troupes armées, qu'on puisse procéder justement au brassage et autres, et faire en sorte qu'il y ait même de l'infiltration, la cinquième colonne au sein de notre armée. Ce sont eux qui en sont artisans. Ce sont des artisans, je peux dire, de la cinquième colonne au sein de notre armée. Si nous avons aujourd'hui une armée friable, ce n'est pas à cause d'eux. Mais je suis en train, au même moment, de saluer les efforts qui sont faits par les gouvernements depuis un temps pour professionnaliser notre armée. Et je pense que c'est une question de temps. Petit à petit, n'est-ce pas, nous allons avoir une armée qui soit véritablement dissuasive. Et j'ai une pensée pour tous les hommes en uniforme qui meurent pour défendre l'intégrité de notre territoire, parce qu'il faut dire que c'est pas facile. Et je crois que même Kagame, qui est en fait une marionnette, a, lors de sa dernière sortie médiatique, insinué que le problème, c'est au niveau de ces marionnettistes-là. Déjà qu'il envoie, qu'il les manipule, vous comprenez? Il l'a dit, il a insinué cela indirectement. C'est à nous, les Congolais, de comprendre la gravité, la de prendre la mesure de la délicatesse de la situation, de savoir exactement comment nous devons nous y prendre pour mettre un terme, parce qu'il s'agit d'une question qui est très très complexe, d'un arbre qui cache la forêt, justement, madame. Donc, c'est un peu ça. Moi, je crois que si nous sommes unis, si nous parlons d'une seule voix, nous allons y arriver, plutôt que de chercher à nous vautrer dans des choses qui vont faire en sorte que notre pays puisse reculer davantage, c'est-à-dire perdre notre temps dans des calculs d'appareil. Ce sont les calculs d'appareil qui font que parfois nous perdons du temps et nous ne savons pas nous focaliser sur ce qu'il y a d'essentiel, madame, comme pour l'instant. Nous sommes plus préoccupés par le gouvernement qui doit sortir. Qui est-ce qu'on doit mettre dans le gouvernement? Qui doit prendre tel ou tel poste? Et dans le même temps, dans la partie orientale, la guerre continue. On perd notre temps de cette façon-là. Alors que, pendant ces temps, on devait parler d'une seule voix, parce que j'ai toujours évoqué, donné le cas d'Israël.
Ou Benjamin Netanyahu ne fait pas l'unanimité, madame, ne vous en faites pas. Le premier ministre est là. Il ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, même avant qu'on puisse, ces terroristes-là puissent attaquer Israël, les Hamas, il y avait déjà des grabuges au sein de la société israélienne. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont excédés, ils se sont dépassés, ils ont mis de côté tout ce qu'ils ont comme malentendu, de telle sorte qu'ils puissent privilégier d'abord, n'est-ce pas, l'intégrité de leur territoire. Mm-hmm. Hein, qu'ils puissent, n'est-ce pas, sauver la souveraineté de leur État. C'est ça qui est essentiel. Je pense que nous aussi, nous devons embrayer sur ce que les autres ont fait et voir comment nous pouvons l'appliquer aussi ici chez nous, de telle sorte que notre pays puisse quand même prendre de l'envol. Merci beaucoup, Henri Tshimbalanga. Je reviens à vous. On va y aller maintenant par des solutions. Quelles solutions finalement proposer par rapport à cette agression dont est victime la République démocratique du Congo? Madame, je pense que l'une des premières solutions, à mon avis, c'est qu'on doit beaucoup travailler en interne pour, pendant qu'on se bat, mais on doit travailler beaucoup sur notre armée. Donc on ne doit pas baisser les bras, parce que notez bien, toute diplomatie qui n'est pas couverte sur une capacité de se faire valoir, une capacité militaire, ça a toujours été une voie qui prêche dans le désert. Voyez l'Israël dont Frédéric a essayé un peu de parler de sa façon. Le Conseil des Nations Unies, à l'unanimité, sauf les États-Unis qui s'en étaient abstenus, vote pour le cessez-le-feu. Mais Israël dit, pas question, tant qu'il y a des otages israéliens là-bas, je continue à frapper. C'est parce que Israël se sent capable d'aller en guerre contre quiconque va s'opposer à ses intérêts. Et il continue à frapper. Vous voulez venir contre nous, on se frappe. Si vous gagnez, ok, d'abord on se frappe. Mais maintenant, la RDC, évidemment, on a souffert parce qu'on a une armée désintégrée, une armée qui a subi beaucoup de choses. Mais néanmoins, nous devons travailler à fond dans le silence pour avoir une véritable armée bien équipée. Voyez-vous, madame, j'ai vu une vidéo là. Un commandant de compagnie qui a reçu une balle. Ces éléments n'ont pas de matériel pour l'évacuer. On doit le prendre de cette façon-là. Mais maïe, yakanaye boye, il n'y a même pas de trousse de secours, de premier secours, pour arrêter même l'hémorragie. Mais ils font le pied en train de partir avec lui. Est-ce que va-t-il arriver? Ne serait-ce que cette hémorragie-là va le tuer. Moi, je pense que l'une des premières solutions, c'est de travailler sur notre propre capacité à se défendre. La RDC, sous Mobutu, nous avions une armée dissuasive. D'abord, nous avons perdu cet aspect-là. C'est le premier rôle que jouent toutes les armées du monde. C'est dissuader l'ennemi. Lui dire que si vous attaquez, ça ne voudrait pas dire qu'eux sont invincibles. Poutine, dernièrement, il vient de subir un affront sur son propre territoire. Mais les Français en étaient informés et on le lui avait dit. Mais lui, il se disait, moi j'ai la KGB mieux informée. Mais il a été surpris. Et en coulisses, c'est la Chine maintenant qui doit lui fournir du matériel de combat. Ça voudrait dire qu'il est grand, mais peut-être dans l'imaginaire. Vous voyez? Donc, nous devons beaucoup plus travailler en même temps sur notre armée qui fera notre capacité à défendre le territoire national. Donc ça doit aller des pairs, les fronts diplomatiques d'un côté. C'est d'ailleurs pendant la guerre, le front militaire. C'est pendant la guerre que les nations se développent. La bombe atomique a été inventée, c'est pendant la guerre mondiale que Albert Einstein a écrit à Theodore Roosevelt que voilà, j'ai une formule qui puisse trouver une arme de scission nucléaire, mais dont la matière première se retrouve en RD Congo. C'est ainsi qu'on a envoyé des gens à Chinkolo pour y prendre l'uranium de là. Et on fabrique la bombe atomique là-bas. On frappe, on met fin à cette guerre-là. Donc, on doit se développer pendant la guerre. Parce que là, maintenant, nous comprenons toutes nos faiblesses. On s'est dit, Félix a fait le tour du monde. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu en termes de soutien? Rien du tout. Ces gens-là ne font que mentir. Mais au contraire,
Dans les faits, ils soutiennent le Rwanda. La preuve, quand dernièrement il est allé en Belgique avec la petite délégation de Eliezer là qui fait trop de bruit et les autres. Mais les Belges, on leur a dit clairement que comme il s'agit de la décision prise par la Commission de l'Union européenne, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a signé avec le Rwanda. Vous vous rendez compte? C'est parce que ils le savent que la RDC n'a pas de capacité à se défendre. Moi, je pense que la première solution, c'est celle-là. Que les Congolais qui ont des responsabilités au sein de l'armée doivent cesser de se ranger dans des balivernes. Tu vois un militaire qui passe à la télé, commence à dire « moi je suis capitaine, je ne touche que 300 000 francs et maintenant tout ça ». Et puis nos politiques aussi doivent se garder de certains comportements. Quand vous êtes, par exemple, il y a une vidéo, bien qu'elle est déjà un peu vieille, mais vous voyez, vous êtes dans une fête de mariage, bien que vous soyez du ministère des Finances, mais la manière dont vous jetez l'argent dans la fête, là, donc vous, c'est chacun qui sort un paquet de 500 000 francs qui déchire, qui doit jeter. Et vous devez savoir que quel est le message que vous envoyez à ceux-là qui sont sur le terrain. À ceux-là qui sont au front. Mais si ils se disent que maintenant, ils sont aux Okoufa Pamba, mais regardez ces gens ici qui sont en veste, ce qu'eux font. Mais qu'est-ce que nous, on a ici? Donc, nos politiques doivent se raviser dans leur comportement. Ils doivent éviter d'abord tout aspect, tout signe de richesse. Ça ne sert à rien en ce moment ici. Vous savez, moi, j'ai toujours, quelque part, je me disais, Mouzé, il aurait fait aussi un certain temps pour discipliner le Congolais. Le Congolais est très compliqué. Vous voyez avec Félix qui vient dans le souci de démocratiser le pays. Nous en sommes où? Il vous dit, faites le travail selon ce que vous avez appris à l'école, vous en tant que des magistrats. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il lui fallu un comportement comme Mouzé. Mouzé les avait chassés toute une ribambelle. Allez, partez, vous êtes des corrompus. Il y en a parmi eux qui sont revenus, qui commettent encore des bévues. Vous voyez? Donc là, il faut des sanctions. Il faut carrément des sanctions transversales. Ceux qui se comportent bien, eh bien, on avance avec eux. Ceux qui n'ont pas cette moralité-là en cette période, il faut les mettre dehors pour essayer de concentrer les efforts. Je peux emprunter l'idée de Freddy, c'est-à-dire se rassembler autour de la formation de l'armée. D'une armée qui soit bien formée, bien équipée. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des troupes. Sinon, la Chine en serait la plus grande et la plus efficace, parce qu'elle est très nombreuse. Mais la guerre actuelle, c'est aussi du matériel. Merci beaucoup, Henri Tshimbalanga. Vous avez épuisé votre temps de parole. On va passer rapidement à la deuxième thématique. Alors, Maître Cédric, quel profil pour le prochain membre du gouvernement? Quel profil pour le prochain membre du gouvernement? D'abord, le gouvernement, selon le vocable de notre constitution, c'est les chefs de l'État qui nomment les premiers ministres au sein de la majorité. C'est un pouvoir discrétionnel lié à la personne du président de la République. Mais nous, comme des conseillers non plus des chefs de l'État, on peut toutefois toujours prodiguer des conseils. Tout à fait. Au travers de cette voie. Bon, le pays, nous sommes dans une salle d'urgence. Actuellement, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'un apprenti. La République démocratique du Congo a besoin d'un spécialiste. Quelqu'un qui maîtrise des grandes questions dans sa globalité. C'est-à-dire, nous avons un problème de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Dans la partie ouest, il y a le phénomène Kuluna. Hormis l'insécurité, nous avons le problème lié au social des Congolais. Aujourd'hui, la stabilité monétaire pose problème. Hormis la stabilité monétaire, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui touchent la population congolaise dans son sens général. Au stade actuel, mettre un apprenti, ça ne va pas régler la situation. Il faudra mettre quelqu'un qui est d'abord compétent. La compétence comme un élément, quelqu'un qui a de l'expérience. Nous ne devons pas tenir compte de ce que les partis politiques envoient juste comme un nom. Parce que s'il faudra constituer une république, pas compte du poids politique. S'il faudra construire un pays de partis politiques, ça va aussi toucher au développement, soit de la survie de notre État. Parce que nous avons aujourd'hui tendance à développer la particratie, c'est-à-dire mettre en place parce que les partis politiques envoient X personnes. Par exemple, M. Freddy est compétent dans telle matière.
parce qu'il ne fait pas partie dans ces blocs, il sera écarté. Il faudrait puiser des intelligences même en dehors de la majorité. Tout à fait, tout à fait. Si par exemple le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, estime qu'il y a des Congolais compétents, il y a des Congolais qui sont en mesure de sauver la situation actuelle, parce que lui-même dans ses mots, il a dit que nous devons corriger les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Ces erreurs aussi, ce sont des gens mandatés par des partis politiques. Il y a des handicapés intellectuels que les parlements envoient. Il y a aussi des handicapés intellectuels que les partis politiques envoient. Ce sont là des cas que nous devons juste en tenir compte. Si par exemple, il y a un Congolais sérieux, il y a un technocrate sérieux qui est en mesure de résoudre des questions que nous vivons actuellement, pourquoi pas les placer comme Premier ministre? Parce que vous devez savoir que s'il faudra susciter la question autour des formations politiques, autour des quotas des X partis politiques à la majorité... Mais en regard de la configuration actuelle, est-ce que c'est possible? C'est que vous avancez comme argumentaire. Est-ce que c'est faisable? Dans la configuration actuelle, le chef de l'État a une grande majorité. Quand moi, j'ai défini cette majorité, je ne vois pas seulement sa famille politique qui est l'UDPS. Le chef de l'État a une grande mosaïque qui l'entoure. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a MLC de Jean-Pierre Bemba. Effectivement, il y a les procès Modeste Bahati. Il y a des gens comme de Jean-Pierre Bemba que vous venez de citer. Ce sont là des profils. Ces questions, c'est moi analyser sur le plan politique, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique en politique. On met obéi aux normes, par exemple, provenant d'un parti politique. Cela, ce n'est pas un élément déterminant. Il y a aussi d'autres critères, la moralité qui interviennent. Parce que beaucoup de nos acteurs, moralement, ils ne sont pas aptes. Il y a certaines personnes, il était cité par exemple pour les cas de détournement. Vous les mettez Premier ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Prenons les cas, quelqu'un qui prouve des insuffisances. Vous les mettez Premier ministre parce qu'il est issu d'une formation politique X. Qu'est-ce qu'il va produire? Parce que le chef veut corriger les erreurs. Ces erreurs-là, il faut aussi mettre des personnes capables de sauver la situation. Moi, je pense qu'il est grand temps de réfléchir. C'est parce que vous devez, quand vous comparez, quand on essaye de comparer la situation de notre pays, par exemple à la France, aujourd'hui nous avons un Premier ministre qui a moins de 40 ans d'âge, les réalités ne sont pas identiques. Au Congo, il y a des gens qui souffrent, il y a des Congolais qui manquent même les 10 dollars. Il y a des Congolais qui manquent 1 dollar. C'est une situation que vous n'allez pas retrouver en France. Qui vivent de ça même. Quand vous voyez par exemple un pays comme Sénégal aujourd'hui, à la tête, il y a un monsieur de moins de 45 ans d'âge. Il faut aussi en tenir compte des situations du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un pays avancé sur le plan démocratique, sur le plan des infrastructures scolaires, partout, vous verrez que c'est bien, c'est assez correct. Mais chez nous ici, nous sommes un pays nulle part où nous devons reconstruire encore. Raison pour laquelle il y a certains paramètres que nous devons toujours observer avec beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas dire seulement rajeunir ou soit un maître. Il faut devoir analyser les profils de tout et chacun. Il a quelle probité morale, il a quelle éthique. Donc ce sont là des grandes questions que nous devons juste surveiller. Merci beaucoup, Maître Freddy. Au regard de la situation actuelle, est-ce que vous voyez un gouvernement à la hauteur des défis sortir de l'Union sacrée? Madame, nous devons travailler. Ce qui est plus important maintenant, c'est quoi? C'est de travailler sur les fondamentaux. Les fondamentaux en rapport avec la bonne marche de la République. Est-ce que nous avons ces fondamentaux-là, madame? Ça, c'est une question très importante. Il va falloir que nous puissions constituer un cercle vertueux autour de la patrie, de l'amour, autour du patriotisme, de l'amour de la patrie. Madame, on peut beau avoir des intellectuels dans ces pays. D'abord, nous avons des intellectuels dans notre pays. Ils sont nombreux, des professeurs, d'universités, des gens qui soutiennent des thèses chaque jour ici. Mais madame, par rapport à la guerre dans la partie orientale de notre pays, dites-moi combien d'intellectuels ont réfléchi sur une formule qui peut nous permettre de sortir de la situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Plusieurs autorités ont mis en place des task forces, ce qu'on appelle task force. Encore, les Congolais sont forts. Nous sommes très forts en rhétorique. Task force, de ceci, de cela. Et quand on te parle d'une task force, madame, ça veut dire, vous vous dites que là, ce sont des sages, des gens qui sont pétris d'intelligence, qui se réunissent.
Et dès qu'ils sortent des résolutions ou bien des rapports de leur task force là, c'est que maintenant le pays ça va marcher. Mais madame, à la fin, c'est toujours le désarroi. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Sommes-nous effectivement des intellectuels ou nous ne sommes pas des intellectuels? Nous devons d'abord nous mettre en cause en tant qu'intellectuels, en tant qu'élite de ce pays. L'élite se démarque dans une société. L'élite a un esprit d'inventivité. Inventer là où ça n'existe pas, là où on trouve que c'est difficile, il n'y a rien qui peut se faire. Si vous avez une vraie élite, il y a des solutions qui vont être, qui vont être trouvées. Et dans notre pays, nous avons un problème. Tout ce que nous faisons est un secret de polichinelle, madame. Un pays ne se construit pas comme ça. Un pays se construit sur les secrets. Vous avez des gens qui se réunissent, qui travaillent sur l'avenir de votre pays. Vous vous dites, dans 30 ans, que va devenir la République démocratique du Congo? Dans 25 ans, que va devenir la République démocratique du Congo? Sans passer sur la place publique, sans que les gens le sachent. Sommes-nous à même de faire ça? Mais aujourd'hui, nous, c'est quoi? L'oiseau rare. Il faut l'oiseau rare, il faut ceci, il faut cela. Quel oiseau rare? Quel oiseau rare? Mais madame, il faut que nous puissions nous dire des vérités en face. On va nommer un premier ministre et puis après, ça sera des statu quo et puis les choses ne vont pas évoluer. Est-ce que c'est normal? Faudra-t-il que nous puissions continuer comme ça dans une espèce de cercle vicieux? Non! Ce n'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça, madame. Moi, je pense que la personne qui doit être nommée à la tête de ces pays... Qui doit être nommé à la tête du gouvernement, doit être une personne consciente. Une personne qui aime effectivement ces pays, qui a les soucis de ces pays. Nous avons connu beaucoup d'acteurs politiques qui ont l'expérience, mais à la fin, les résultats n'ont pas été des bons résultats. Donc, quelqu'un qui aime ces pays, qui a effectivement aussi l'expérience, une belle expérience, parce que nous avons aussi sur la scène politique ici, on se connaît, on sait qu'il y a quand même des dirigeants qui ont fait leurs preuves lorsqu'ils ont géré. On peut recourir à eux s'ils peuvent contribuer un temps soit peu à l'avancement de ces pays. C'est pas mal. Vous avez... nous sommes dans un système où, pour diriger, il faut passer par les élections. Il faudra que nous puissions avoir au Parlement des députés qui soient les plus représentatifs possibles, qui ont été effectivement élus par le peuple. Ça aussi, c'est important, madame. Plutôt que des gens... Vous trouvez quelqu'un qui a été effectivement élu, mais qui ne passe pas, qui n'est pas passé, mais c'est une autre personne qui vient siéger à la place de la personne qui a été élue effectivement par le peuple. Tout ça. Et cette personne ne sera pas redevable envers le peuple. La personne-là sera, je ne sais pas moi, redevable envers ceux qui l'ont nommé. Tout ça, c'est... Je pense que ça fait partie des malfaçons qui nécessitent des remèdes, une thérapeutique de choc, madame. Voilà. Il faut une thérapeutique de choc pour tout ça. Donc, madame, il ne faudra pas que nous puissions perdre notre temps. Je pense que notre classe politique, nous connaissons, qui peuvent rendre un bon service à notre nation, qu'on nomme le Premier ministre, un Premier ministre consciencieux à la tête de notre pays, qu'on se mette directement au travail, parce que nous n'avons pas du temps à revendre, madame. Nous n'avons pas du temps à revendre. Voilà, merci beaucoup Henri Tshimbalanga, composé en majorité des anciens membres du FCC. Est-ce qu'on peut s'attendre à du nouveau avec cette classe politique? Je pense que c'est un problème très sérieux et que ça doit ne pas seulement rester dans cette cage-là des principes au regard de la majorité au sein du Parlement. L'UDPS, ici, je le dis clairement, doit faire très attention. De principe, c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Donc, il n'aura plus d'excuses à dire « on m'en a empêché ». Absolument. L'UDPS a eu du mal à faire un bon casting. Je repars d'abord à la base de l'UDPS, son fief. Dans son fief, l'UDPS n'a pas été en mesure d'offrir aux Congolais du Kassai oriental des bons gouverneurs. L'unique condition, c'était des gens, des anciens de l'UDPS. Mais ça a été de la catastrophe. Des gens incapables même de s'exprimer en français, qui est du moins la langue officielle, parce que notre constitution n'est pas en Tshiluba. C'est l'une des langues nationales, non plus n'est pas en Swahili. C'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, quand vous êtes gouverneur, vous devez ne serait-ce qu'être capable de lire.
Sinon, vous allez diriger comment? Il y en a eu 4 à la base. Et ça a échoué. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je ne trouve pas que l'UDPS, au regard des principes, va vraiment, en se figeant dans ces principes-là, nous donner, comme l'informateur l'a dit, il a rassuré que le Premier ministre ne viendrait que de l'UDPS. C'est bien bon, c'est politique, au regard de... C'est nous qui en tant que première force politique... Oui, mais attention, dans ces principes-là, il faut tenir compte de nos réalités. Il faut que la compétence soit de mise. Parce que quand vous avez un malade, le médecin généraliste, il constate, mais il recule. Il fait recours à un spécialiste qui doit maintenant opérer. Il ne faut pas s'accrocher. Parce qu'on risque de dire, celui-là a volé. Écoutez, il y en a qui ont eu le malheur d'être connus en tant que détourneurs parce que ça a été rendu public. Mais il y a des très grands détourneurs dans le silence et qui sont extrêmement riches. Parmi des gens que Moussa avait foutu même en prison pour qu'ils viennent justifier d'où viendrait leur richesse. Mais ils sont devenus encore plus riches qu'en ce temps-là. Plus riches que ceux-là qui sont populaires, que nous connaissons être riches. Vous voyez, donc, l'UDPS, Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, il a tout, il doit en tout cas s'assumer. S'il faut prendre quelqu'un de compétent, mais qui ne soit pas de l'UDPS, il doit en tout cas le dire à ses compères que voilà, ici je joue ma dernière carte. Sinon, qui va excuser encore à Félix? Et d'ici 2 ans, tous ceux-là qui crient aujourd'hui que nous le soutenons, d'ici 2 ans, ils vont changer là-dedans. Mais puisque dans cette majorité, non, mais madame, écrasant du chef pas, de l'État, il y a également des membres du FCC. C'était ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, okay. Madame, je vais compléter attendez, quelque chose. C'est pas sûr ce qu'il vient de dire. Non, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça va m'échapper. Vous concédez? Des personnes méritoires sont à l'UDPS. Un instant. On les nomme. Ils sont là. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre. Les personnes méritoires sont là. Henri Timbal. Okay. Est-ce qu'ils sont à la bonne place pour être nommés? C'est ça. Mais j'ai dit ceci. Voilà. Que le président s'assume. D'abord, dans ces principes-là, s'il trouve qu'il y a des gens compétents, ils sont là. Il y a une mosaïque. Qu'est-ce que je veux dire? Cette histoire de qu'ils étaient dans l'FCC. Non. À un certain moment, on doit arrêter. Sinon, nous allons reculer tous jusqu'au MPR. Parce que ceux qui sont dans l'UDP, c'était dans le MPR. Donc, on doit plutôt regarder la situation en face. Ici, il est question, s'il trouve qu'il y a quelqu'un de compétent qui puisse répondre aux attentes de la République en ce moment, il soit au sein de l'UDP, bon vent lui. Pour nous, on a besoin des résultats. Mmh. Seulement, je souligne. Tout ça. Il y a l'obligation des résultats 2 ans, par rapport au Premier ministre. D'ici 2 ans, le président Félix sera sévèrement évalué. C'est en ce moment-là que les gens vont commencer à quitter même l'Union sacrée pour se positionner au regard de 2028. S'il travaille bien, il sera accompagné jusqu'à la dernière minute. Donc moi, je pense que ce soit un membre de l'UDPS ou pas, mais qu'il soit... couronné par ses propres compétences à résoudre et non nous reproduire ce que ont eu à faire tous ceux de l'UDPS qui ont été même ministres de l'Intérieur sous Félix, il n'y a que de l'UDPS. Mais c'est de l'incompétence, il n'y a aucun résultat. On doit juger les gens sur les résultats et non sur les déclarations. Est-ce que vous voyez certains ministres revenir dans la nouvelle équipe gouvernementale? Ils vont revenir. Parce que tout le monde ne peut pas partir. Il y a des gens qui ont marqué de par leur travail. Il faut citer quelques noms, si c'est possible. Je vois par exemple Jean-Pierre Liaou, qui d'aucuns ne sait pas vraiment discerner ses faiblesses dans la gouvernance. Il a fait preuve de compétences. Bien que même au sein de l'UDPS, il y en a qui disent « Oh non, lui, il est venu !» Non, moi je pense que la compétence soit de mise, comme Freddy l'a aussi dit. D'abord qu'ils commencent là-bas dans l'UDPS, qu'ils se disent ici compétences d'abord. Pour moi, ça ne me gênerait pas de voir Liaou, ça me donne un peu d'espoir. Je l'ai vu, comme tout le monde, comment il a travaillé, ça donne quand même de l'espoir. Sinon, il y en a plusieurs, mais qui sont un peu comme entourés de beaucoup de choses, mais pour autant des compétents, qui ne sont même pas de l'UDPS. Mais vous ne citez pas Patrick Muyaya, par exemple. Non, personnellement, je n'ai pas des traces de compétences de Muyaya. Parce qu'à un certain moment, moi je suis journaliste sur ce plateau comme vous. Le journaliste est tenu à la sacralité des faits et laisser la liberté des commentaires à tout.
tout le monde. Mais Patrick Muyaya a fauté dans beaucoup de choses. Il nie une situation, mais demain, ça le rattrape. Alors, en tant qu'un journaliste vertébré comme lui, c'est déjà des fautes. Il avait promis de changer de narration, contrairement à son prédécesseur. Changer de narratif. Mais il est revenu dans les mêmes histoires. Alors, pour moi, il n'y a pas de compétence. Il faut des gens qui soient capables de cerner des problèmes tels que l'avait fait Matata Ponyo, Adolfo Muzito. Je ne dis pas que eux-là reviennent, mais néanmoins, il faut comprendre que ces gens-là ont fait preuve aussi de compétence. Même dans leur comportement par rapport à quelqu'un qui vient chaque jour, à 5h, il est à la primature, chaque jour. Mais il y a des gens qui arrivent au bureau à 13h chaque jour. Ils sont nombreux. Ce sont des points que celui qui viendra là, on peut lui prendre, on emprunte les compétences de X, Y, on lui dit, voilà ce que nous voulons. Tu dois être ici, fort comme celui-là, comme ça a été. On prend ce qu'a été. Freddy Mwamba était ici comme ça. On fait un proto, un robot portrait. On te dit, voilà ce que moi je vais. Donc, je vole ici la compétence de Freddy, de Cédric, d'Esther. Je te forme ça. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu aimes Matata ou pas. Je te dis, il est compétent dans ça. Mm-hmm. Est-ce que tu peux t'inspirer de ça? Oui. De Muzito dans ça. Mm-hmm. Tu peux t'inspirer? Oui. Il y avait un procureur général, c'est un témoin de Jéhovah. Si on peut retrouver ce monsieur, à moins qu'il soit déjà mort, c'est l'unique que je sache qui refusait même 100 francs. Il ne prenait jamais rien. J'ai des preuves, tout le monde connaît. Il avait même, c'est l'unique même qui avait même bouté dehors. À l'époque, Ngoïka, c'était pas, il empochait même des ministres nationaux. Parce que lui, l'argent, ça faisait sa force. Mais l'unique qui lui avait même retourné sa Jeep, c'était ce monsieur-là. Il voit une Jeep avec un chauffeur devant son bureau. Il sort du cabinet, il dit, c'est quoi ça? Oh non, on vous a envoyé cette Jeep. Mais dit, qui vous a dit de m'amener une Jeep ici? Moi, on me paye. Je vis avec ce qu'on me paye en tant que procureur général. Il monte dedans, il va retourner et dit, monsieur, que ça soit la toute dernière fois que vous avez dit. Dans des exemples à suivre. Il y a des gens comme ça, on peut emprunter leur comportement. Maintenant, on en fait un proto. Merci beaucoup, Henri Tshimbalanga. Je donne la parole à Maître Cédric. Au regard du contexte actuel, donc, est-il possible que les chefs de l'État mettent plutôt en œuvre les 6 engagements qu'il avait pris lors de la campagne électorale? Je pense que M. Henri Tshimbalanga l'a tout dit. Hein. Il est temps, c'est vraiment une évidence au stade actuel d'en tenir compte parce que, madame, nous sommes dans une salle d'urgence. Ça nécessite de mécanismes sérieux pour sauver ces pays. Une thérapie de choc, comme le disait Maître Freddy. Effectivement, madame. Parce que vous devez savoir que la situation actuelle mérite de grandes décisions. Si nous restons dans des farfelis, on ne doit pas aussi donner de très bonnes réponses. Donc c'est une question de bien réfléchir, de bien poser des actes pour sauver la République. Parce que s'il faudra, par exemple, répondre aux besoins de l'IDPS, aux besoins de sa formation de provenance, parce que tel veut ça, moi je pense que ça ne sera pas un bon remède. Donc s'il faudra sauver l'épilepsie actuelle, je pense qu'il est grand temps de bien réfléchir, de bien faire les choix. Parce que vous savez, il y a déjà un problème au début. Comment un pays, un mandat est défini dans 5 ans? Pour avoir un premier ministre, il nous faut 70 jours, plus de 70 jours. C'est déjà un problème. Parce que les mandats, nous sommes déjà en train de comptabiliser les mandats. Pourquoi pas de réfléchir? Aujourd'hui, les institutions ne sont pas encore installées au niveau des provinces. Il y a des problèmes. Mais par contre, les mandats, nous sommes en train déjà de comptabiliser. C'est défini dans le temps. C'est un mandat de 5 années. Où le chef de l'État, en principe, le premier ministre, devrait être déjà évalué dans ces 100 jours. Près du contraire, on n'a pas encore un premier ministre. Pourquoi pas de réfléchir par rapport à des questions pareilles? En 2028, dès qu'on installe les chefs de l'État, nous ayons directement le Premier ministre. Ce sont là des grandes questions. Mais vous verrez qu'au stade actuel, il faut le profit, il faut telle formation politique, il faut ça. Il faut des tractations dans les partis politiques. Ce sont des problèmes. Nous devons vraiment veiller sur ce genre de questions. Aujourd'hui, nous avons installé des assemblées communales, des collèges communaux. Il faut réfléchir comment nous aurons des bourgoumestres. C'est sur base des enveloppes que nous voyons actuellement, parce que le vrai développement, c'est à la base. Qu'est-ce que l'État congolais en pense juste pour avoir des bons bourgmestres au niveau des communes? Des bons ensembles au niveau des communes?
Parce que vous devez savoir que l'État congolais, aujourd'hui, nous sommes face à une évidence. On a appliqué la décentralisation dans sa totalité. Comment maintenant on arrive à réfléchir pour mettre ça effectif? Ce sont là des problèmes que ça demande un Premier ministre qui est compétent, celui qui a l'image globale. Ce n'est pas parce que vous avez des bonnes relations avec l'autorité morale de l'IDP, ce n'est pas parce que vous avez des bonnes relations avec XY. Si par exemple le chef d'État estime que dans sa formation politique de provenance, il y a des couacs, il peut aussi en prêter ailleurs. Parce que je vous ai dit que l'Union sacrée, c'est une grande mosaïque. Il y a des personnalités d'État, les gens qui prouvent à ce sens qu'ils sont capables d'un tel matière ou tel domaine. Moi, je pense que nous demandons au chef de l'État de ne pas rester dans la familiarité ou soit dans les copinages et qu'on sort. Donc, moi, je pense qu'il est quand on dépend des décisions. Les copinages. Oui, ce sont là des mots faux. Nous sommes des Congolais, nous sommes libres de réfléchir. Voilà. Donc moi je pense qu'il est grand temps au chef d'État de bien réfléchir. Merci beaucoup Maître Cédric et Maître Freddy. Vous avez donc la responsabilité de conclure parce que là on a débordé dans le temps. Oui, c'est une grande responsabilité. C'est jamais facile lorsqu'on a cette responsabilité de conclure. Moi je pense que il y a un discours que j'entends souvent pour dire que il faut qu'on arrête de commencer à prendre les gens dans des partis politiques parce que c'est ça qui fait que les pays ne puissent pas aller de l'avant. J'ai dit non, c'est faux. Ce que nous devons faire, c'est renforcer les mécanismes de contrôle, madame. Vous savez que si vous renforcez les mécanismes de contrôle, quelle que soit la provenance... Qu'est-ce que fait l'IGF déjà? Madame, quelle que soit la provenance de la personne, moi je pense que ce que fait l'IGF, c'est un bon début. Il s'agit d'un bon début, d'un assez bon début pour mettre le pied à l'étrier. Ils ont commencé, mais il faut encore appuyer davantage. C'est là par, comme on dit, la Cour des comptes. Il faudra que davantage notre justice aussi puisse mettre le pied, notre appareil judiciaire puisse mettre le pied sur l'accélérateur, de telle sorte que lorsque on confie une responsabilité à une personne, que quelqu'un puisse avoir quand même la peur du gendarme. Dans ces pays ici, vous allez trouver quelqu'un qui est là, qui dirige, qui vous dirige. Il est dans une fonction qui est une fonction étatique. Il stresse les gens qui travaillent dans cette fonction étatique. Ça devient comme si c'était une entreprise privée. Comme si on avait affaire à un entrepreneur qui avait son entreprise et qui était en train de gérer les gens. Vous trouvez... Donc, il stresse les gens là-bas. Ça devient comme si vous ne vous... Vous pliez pas à ce qu'il vous dit, que ce soit bon ou mauvais, et vous allez perdre votre emploi. Vous savez, avoir l'emploi ces derniers temps, c'est pas facile, hein? Tout ça. Ça, c'est dans une fonction de l'État. Dans un emploi de l'État, un emploi de tout le monde. Mais vous trouvez un chef coutumier qui est là, qui est en train de faire chanter les autres agents. Mais avec ça, comment le pays va évoluer? Parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Allez à la conclusion. Il sait que si on vient même le contrôler, il va commencer à faire chanter même ceux qui viennent le contrôler. En considérant que c'est un règlement de compte, tout ça, on ne peut pas venir le contrôler. On vient le contrôler parce qu'on lui en veut. Nous sommes dans quelle société, madame? Allez à la conclusion, s'il vous plaît. Il faut renforcer les mécanismes de contrôle de telle sorte que s'il y a même un dollar... que ces 1 dollar là soit canalisé dans les caisses de l'État. Merci beaucoup. C'est ça! C'est ça qu'il va faire parce qu'il y a trop de fuites d'argent. Il y a trop de fuites d'argent. Moi, je pense que l'IGF doit continuer son travail et être appuyé, être accompagné dans ce qu'il est en train de faire pour que ce pays ici soit effectivement redressé. Madame, si nous avons des institutions fortes, des choses qui marchent, je vais te donner un petit exemple, madame, tel que tu es là. Nous avons appris il n'y a pas longtemps que non, on est en train de remettre des diplômes, par exemple, dans les universités ici, à 10 dollars. Madame, si vous allez avec 10 dollars, vous allez avoir votre diplôme, effectivement. Dans quelle université? Ou si vous donnez 10 dollars, on va vous donner votre diplôme. Dans quelle université? Je ne connais pas une seule université. J'ai vu à la télévision, on a montré que on remettait les diplômes aux gens. Mais en réalité, comme ça, si vous donnez 10 dollars, on va vous donner votre diplôme. Dans quelle université on va vous donner? Il y a des gens qui démarchent dans des pays sérieux. Nous avons largement dépassé les temps. Vous finissez, madame, comme ça, on vous remet directement votre diplôme. Vous finissez, vous avez votre diplôme. Et il y a même moyen de vérifier dans les palmarès, même sur Internet, tout est informatisé, de savoir que tel a fini dans telle ou telle autre université. Merci beaucoup. Mais ici, chez nous, c'est...
pratiquement un peu comme un Far West. Merci beaucoup. Il y a un sérieux problème. Travaillons sur nos institutions, madame. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Travaillons sur les fondamentaux. Freddy Mwamba, merci à Cédric Bienguele. Merci à Henri Chimbalanga. Merci, madame. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir reçu cette émission chez vous. Merci et à la prochaine. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tirer la bande de Kombo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam, bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.